Et oui, vous êtes assez décassé radio communautaire, ici Louis-Paul Fafaralard, et je suis toujours en compagnie de William Nicolas Goyette-Godreau. Ouais. Ça te dérange pas que je t'appelle Will Nick Gaga? Vas-y. Alors là, tu vas nous parler du lobbying. C'est ça. Le lobbying, ça se fait partout dans le monde. Ouais, c'est une relation entre les compagnies et les gouvernements. Bon, parlons des compagnies. C'est quoi ça, les compagnies? Alors, dans la compagnie, il y a toujours la... Oui. Mais on a cette grosse chaise que tout le monde s'assitue en même temps. Le siège social. C'est ça. Alors, eux autres s'engagent des lobbyistes, là, pour aller négocier. Ouais, être lobbyiste, c'est une job, ça. Ben oui, c'est d'ailleurs la seule alternative quand on trouve pas de job, hein. Lobbyiste. Non, je pense que tu te trompes avec l'OBS. Mais en fait, est-ce que tu peux nous donner un exemple de lobby? Ben, par exemple, un fabricant de cigarettes, ben, il veut vendre des cigarettes. Ben oui. Ben, quand il y a un gouvernement qui passe une loi que t'as pas le droit de fumer à telle distance de l'entrée d'une porte de bâtisse, ben, eux autres, ils essayent d'obtenir des distances moins grandes. C'est ça. Alors, avec une distance moins grande, le fabricant de cigarettes trouve son compte parce qu'il va vendre plus de cigarettes. Oui, mais dans ce sens-là, c'est le fabricant de distance qui est fourré. Ben, oublie ça. Alors donc, c'est le travail du lobby, ça prend des lobbyistes pour faire ça. Ouais, ben ça se passe dans toutes sortes de domaines. Hein. Tu te souviens de cette fameuse loi controversée, là, la loi 78? Oui. Tu t'en souviens? Ben oui. Hey, bon, ben, c'est la fameuse loi qui interdit la vente de disques 78 tours. Le gouvernement a passé cette loi-là dans la controverse, mais il y a des compagnies qui ont fait pression. Mais une compagnie qui fait pression sur le gouvernement, il faut. Ah oh, oui, faut. Pour ça, c'est grosse. Ah ben oui, c'est des compagnies majeures. Là. Oui, c'est ça. T'sais, je pense pas qu'un ministre va se laisser influencer par le roi de l'aspirateur. Peut-être pas, mais la reine de l'aspiration, par contre. Ah ben ça, c'est une autre histoire, Louis. Est-ce que tu as un autre exemple de pourquoi une compagnie va envoyer un lobbyiste à un ministre? Ben ça arrive, par exemple, dans l'alimentation. Oui. Amener un fabricant d'aliments se faire un produit par un pays à cause que ça respecte pas telle ou telle norme. Alors, ils vont envoyer un lobbyiste. Il va parler au sous-ministre de la consommation. Bon. Puis il va dire... Cher ministre Sous, voulez-vous une consommation? Ça a pu ressembler à ça. Mais le lobbying, c'est agressif, ça. C'est... Oui. Est-ce que des fois, la bataille poigne? Ça peut arriver. Et dans ce temps-là, on appelle ça comment? Du lobbying, budding, bedang, ouais, pouf, on bing. On peut appeler ça de même. Aux États-Unis, il y a beaucoup de lobbying. Je sais pas. Comme, durant la campagne de Romney, là. Ouf. Il a dû avoir... Ben oui. Il a avoir le sens de l'humour, Romney, là. Hein? On savait, dans sa famille, ils ont bien le sens de l'humour. Romney? Ça a l'air, des fois, il va au dépanneur, puis sa femme, il dit, veux-tu me ramener une pinte de lait, puis là, il rit pendant une demi-heure. Mais ça marche moins dans les... Tu sais, le lobbying, ça marche moins dans les... C'était drôle. Tu sais, les interventions comme l'UPAC. Oh, oui, eux autres, ils fassent fort. Hein, bon, ben, quand tu te fais arrêter par eux autres, là, tu dis, l'UPAC roule pas pour nous autres. En tout cas, bref, le lobbying, ça réussit pas tout le temps. Mais comment ça marche aux États-Unis? Ben, pas trop vite, les jambes un peu écartées. Non, je parle pas du problème qu'il y a une personne sur trois qui est obèse. Ah, OK, le lobbying. Ben, le lobbying, Louis-Paul, là, oui. Partout, là. Oui. Ça existe depuis Beethoven. Ah oui, hein? Ben oui. Il faut faire attention là, pour ceux qui pensent encore que Beethoven, c'est se couper le sexe puis le faire cuire dans un four, là. Non, on parle du compositeur.